Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Donjon de Nalbuk. Quoi que j'aimais bien la disposition. Il y avait une idée hein, dans cette disposition. Non, ouais, non, enfin, viens ici, t'as compris l'idée. Une sorcière par là, plein mid. Et une elfette par ici. Voilà. On est pas mal. Donc faut arrêter le gaz toxique en urgence. C'est-à-dire, je suppose, atteindre un levier. Ils sont tous immunisés à toutes les cochonneries que je pourrais leur envoyer, sauf ce truc. Voilà. Ensuite. Excellent. Pour l'instant, on est sur un grand chelem. Hein. C'est bien, on en a repoussé deux, c'est une excellente idée. Ça pourrait être moi dans quelques années. Non, ça ne peut pas être toi dans quelques années. Lancer de nain. Je vais tabasser mon ranger. C'est un peu chiant. Sinon, lancer de nain quand même, ça fera avancer le nain. Hein. Ah bah, lancer de nain comme ça, parfait, impeccable. Hop. Ah, c'est pas garanti. Hein. Un coup terrifiant. On peut essayer avec un coup terrifiant, on va voir. Et il le part et tout. Bon, il l'ignore. Il a choisi d'ignorer la chose. Soit. Ah ok, d'accord. Ok, ça diffuse la zone de poison. Allez, vraiment, faut avancer, quoi. Et je peux pas avancer par là. Est-ce que je peux t'assommer? Prends ça, viande de poule asthmatique! Formidable. J'ai pas le choix. Bon, je me mets en face de lui. Juste une flèche de base. Impeccable, hop, on va l'avancer. Je suppute que ça va être une succession de combats jusqu'à la sortie. Donc on va venir, hop, jusque là, activer ça. C'est chaud là. Hop, je vais placer un voleur dans le dos. Ça va user notre rendu très fort, ça. Celle-là. Hop, 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 on envoie un gros. Oh, le speedrun de gros. C'est beau, hein. Tac, 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 tac. Faut absolument rentrer du dégât. Est-ce qu'on peut sauter? Oui, mais c'est pas pertinent. Donc ce sera une flèche dans le biniou là-bas. Si on le touche. On l'a fort bien touché. Mettre un nain au milieu. C'est toujours bien. C'est pas beau ça. Hein. C'est où la sortie potentiellement? En tout cas, la coupure de gaz c'est potentiellement là. Ouais, bon, on n'y est pas encore. Hein. On n'est pas arrivé. Les morts, ça doit rester en terre pour donner à manger aux arbres. On est d'accord avec toi. Hop, placer juste derrière le nain. Et
Ça tue ça? C'est beau. Il s'y fout là, lui. Quel désagrément. Quel désagrément désagréable. Hop. Passe à l'arc, shoot dedans quand même. Ok. C'est moi. Ah non, c'est un désamorçage. Je ne suis pas là. Juste tape-le. Juste tout ce que t'as fait bouger, etc. Juste tape-le. Ça sera bien. Et je prendrai une attaque si je bouge, donc non. Ma sorcière, tu viens ici. Alors par contre, toi, tu vas me le gifler de Namzar comme Jaja. Hein. Viens-moi ça d'ici là. Je sais pas si ça m'a sorti de ma furtivité, j'ai l'impression que si. Soit. Ok, on peut aller jusque là. Et de là, je pourrais pas faire mon bond là-bas. Parce que c'est ma, toute ma question, c'est est-ce que je peux bondir là-bas? Ouais, mais j'en touche qu'un, donc ça a pas d'intérêt. Ok, bah une bonne grosse baston. Allez, ça part à l'ancienne, comme on dit. Ouh là là, il a fait une partielle et une critique. Beau gosse, hein. C'est quoi ça? Protège un allié. Ah non, ça n'a aucun intérêt de protéger un allié. Un allié. Il y en aura pour tout le monde. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Même pas en rêve. Bon, mon bond dans les archers, il est compromis. Putain, ça avance si vite son truc de gaz là. Vas-y hein, on se barre. Hein. Sors les épées et on y va. Hein. Ah oui, du coup, je viens de me niquer le premier coup. Bravo. Allez, j'ai déjà plus ma grenade. C'est des morts vivants, ça leur fera rien. Ouais, c'est une petite flèche. Bon, du coup, désolé, hein, l'épisode est un peu long, hein, mais je suis chaud pour sortir de là, c'est rigolo. Ok, parfait, il a pas bougé. Impeccable. Impeccable. Du coup, toi, t'es redevenu visible. Ce qui est un peu chiant. Est-ce que tu peux me tenter de me bousiller un peu ce gars-là? Meurs, pourriture. Ah oui, c'était pas mal. Non, je reconnais. Je dois avouer qu'il y avait un style. Il y avait même un gros style. Je suis très fier de toi. C'est beau. C'est beau. Le lancer de nain sans rechargement. Ok, on va donc se lancer un petit crâne sur ce machin là.
Voilà. Et c'était très drôle en plus, évidemment. Évidemment que l'ogre a trouvé ça particulièrement drôle. La petite gifle de Namzar qui met le bazar. Ah non, on est un petit peu trop loin pour ça. Dommage. Du coup, on se contentera d'un tir de sniper là-dedans. 11% de chance de toucher le nain, c'est 0%, c'est bon. C'est validé. C'est pulvérisé. Faut qu'on récupère un barbare. C'est important. Je crois que tu bouges de 4. Merde, je trouve. Ah, je trouve plus le bon truc là. Non. Mais. Ah si, c'est repoussé qu'il faut que j'utilise, mais ça faut on que je me rapproche. On va donner leurs os à des clébards. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Non. Bon, bref, c'est pas grave. Eh, hey, passe à l'arbalète. Voilà. Dans ta gueule. Ah oui, ça transperce, c'est vrai, c'est rigolo ça. Ah, il se dépack. C'est chiant. Alors, tu veux m'empêcher de... Mais... c'est une elfe, voilà. Voilà. Tout est dit. Je vais même te mettre une elfe sous le nez. On va commencer à avancer là, parce que... ça commence à être craignos. Je peux plus les gifler. Je peux plus les gifler de Namzar comme j'en avais envie. Donc c'est pas grave, hein, on va sortir, on va dégainer un serpent et puis on va s'amuser. Hein. Ah, c'est 100% de mort assurée. Allez, tue-moi celui-là, c'est le plus loin. Terminé. Ah, 148, ça tabasse bien quand même, on va pas se mentir. Hop là. Serre les dents. Voilà, parfait. Hop, 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 hop. Notre ami, le voleur. Notre ami le voleur, on va peut-être pas le rapprocher autant que ça, parce que je crois que c'est un bon arbalétrier aussi. Genre ça, c'est 54, 68, 52, 54, ouais, c'est pas mal aussi. Ça permet de laisser un peu d'espace aux potes qui arrivent derrière. Du genre toi là, hop. Ah, tu prends un nain. Déplacement du nain. Okay. Ton bon hyper héroïque. Ah ouais, mais sauf que tu as touché tout le monde avec ton bon ultra héroïque. Tac 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 tac. Tu peux sauter encore plus loin? Parfait. Saute là-bas. Voilà. Le nain n'ayant pas encore joué. Ok, speed. Ah mais tu vas pas assez vite. Vas-y, tac 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 tac. Est-ce que tu peux boulette le squelette? Ah, on peut pas le toucher là. On peut toujours toucher un squelette, mais sauf qu'on touche un nain avec. Du coup, ça me va pas. Bon, après le squelette joue vraiment en dernier. Il en reste encore. Oui, on va ramener l'ogre au plus vite. Let's go, let's go, let's go. Normalement, je peux mettre un barbare
Bah, juste ici, normalement ça suffit. Me dis pas que j'ai bloqué le truc avec l'elfe. Si. Évidemment. Évidemment, même si j'avais déjà oublié. Mais évidemment. Et ça va vite hein, leur truc. Ça va très très vite. Tiens, on se dégage. Hop. Et ici. Je touche le gars devant, c'est parfait. Un tourbillon de waza. Tac, 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 tac. Une flèche de ranger. Oh putain, hey, y a quand même des gros corps à corps là. On va encore tricher en utilisant l'elfe et rush au bout comme un gros sourd. Des amorçages d'apprenti, il a brillé. Je sais pas pourquoi. Il y a des pièges quelque part là. Rien du tout. D'accord. On va quand même profiter du fait qu'il puisse quand même tirer une flèche avant de le rendre invisible. Ouh. Ah ouais, vas-y. Hop, on met tout ce qu'on a. Hein. J'aurais pu. Ça aurait pu être intéressant de le tirer un peu plus loin, mais tant pis. Hop, 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 on avance avec tout ce qu'on a. Je suis là ! Non, je précise ! Parfois, on ne me remarque pas. Bien que j'avancerai bien un peu plus avec l'ogre. Tac. Vraiment ce sniper, quoi. On va être obligé de prendre. Hein. Et bah si on est obligé de prendre, allons-y. Attention, on ne marche pas sur ma robe. Ok. Bon, tout le monde est dans la salle, quasiment, ou sur le pas de salle. C'est pas trop mal, je pense. La pression est toujours là, quand même. Qui veut une flèche? Qui veut une flèche de la mort? Qui calme? Tiens, toi devant, là. Ah, mais ça s'écoule par la bouche des goûts, là. Non, c'est une blague. Le ranger, le plus grand de tous les héros. Boum. Ah, t'es pas mort toi? Bon, j'aurais peut-être pas dû... Ouais, t'aurais peut-être pas dû gâcher ça sur toi, mais bon, c'est pas grave. Ok. Du coup, je me prends une flèche de glace dans le flanc. Bah, super, quel génie. Ah, il peut renverser mes gadgets, c'est une blague. C'est beaucoup trop fort. Tu bascules en furtif. Je ne suis pas là. Et puis tu fais comme dans l'infanterie, tu te tires ailleurs. Soit ça, soit. On n'a pas trop le choix.
si je viens là, est-ce que je peux lancer un nain? Ah ben non, je peux pas forcément. Je peux pas lancer des nains tous les tours. C'est vraiment... c'est vraiment très dommage. Du coup, tu vas pousser ce gros tas, là. Mettre un coup de bide là-dedans. Ah, ou un petit tremblement de terre aussi, ça aurait été rigolo. Mais pousser des gens, c'est marrant. Moi, je le tuerai pas. Un tremblement de terre, ça assure que le givret derrière, il tombe. Ok, ça marche. Tu peux filer un coup de main aux gens? Genre... plus, mais non, il n'y a pas plus. Baston. Baston, baston, barrage d'acier, barrage d'acier. Hop. Voilà. Ça motive toujours un peu tout le monde. Ça fait du bien. Maître nain, tatatata. T'as déjà tiré ta flèche de glace, toi, ou pas encore? Ouais, il passe en vigilance, ok. Ok, lui, normalement, là, il est dans le poison. Ah oui, mais c'est un mort-vivant, il s'en fout. Évidemment, sinon c'est pas aussi drôle. Est-ce que je peux transmettre un thermo magique bisou là? Voilà, c'est ça. De l'espace. Hop là. Ça part. Excellent. Ça peut être rigolo. Mais une petite morsure du serpent, est-ce que c'est pas plus drôle? Non, on va le bouger. Le bouger, c'est bien aussi. Oui, c'était un bon choix. Plus le mur qui s'est pris, c'était un bon deal. Encore vu. Si je me mets là, je suis vu. Si je me mets là, je suis pas vu. Coucou, hibou, coucou. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Ah, j'ai plus d'endu. Il me faut de l'adrénaline, une action supplémentaire, la potion d'endu. Cette potion avait un aspect suspect. Et massacre-le. Je frappe sans bruit, mais pas sans douleur. Frappe sans bruit, mais pas sans douleur. Oui, je suis assez d'accord avec le concept. Je suis assez d'accord aussi avec une turbo méga gifle là, de groupe là. Vous êtes mal comporté. Vous devriez vous comporter comme des morts. Hop, je suis d'accord pour que t'avances et que ce soit qui prenne la flèche. Voilà, c'était très supportable comme dégâts. Ah, il lui reste encore une... Ok, super. Hein. Super. Bah, tu vas te calmer tout de suite, hein. Voilà. Rien d'autre à ajouter, je crois. Hop. À la baston. Retour aux affaires sérieuses. C'est un coup de hache. Putain, il va avoir affiché 3, là, déjà. Non, le nain, le finisseur, quoi. Tac, 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 tac. Oh, la parade crit. Ouh, c'est rare, ça. C'est rare, mais c'est beau. Trois rondes restants. Qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que j'ai touché le gaz toxique, c'est ça? Oh, faut que l'alpha le joue vite. C'est pas bon deal, ça. Tac. 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 Paf, pas la moustache, tout ça, quoi. Comme on dit dans le milieu. Et bon, le gaz descend. C'est impeccable. C'est une victoire pour Connard. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Eh ben, c'est pas bon. Bon, je suis à côté de la taverne, c'est vrai que j'aurais pu éviter de tout claquer. Alors, les dactes spectrales de perméabilité. À chaque tour, le porteur esquivera toujours la première attaque d'opportunité qui la vise.
Ah, c'est pas mal ça. Et on a trouvé les jambes du troll. Eh bah, parfait. Ça traînait vraiment là. Bah, visiblement. Oui. Voilà des jambes de troll avec des traces de chirurgie. Blaa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